Bonjour à toutes et à tous. Je parle un petit peu doucement parce que Cécile adore encore. Peut-être dans 1 heure, je vais pas tarder à la réveiller. Nouvelle petite vidéo, juste un tout petit vlog. Voilà, comme je vous ai promis que j'apprenne à refaire des petits vlogs. Donc voilà, je vous fais un petit vlog. Donc, j'espère que le live hier ça s'est bien passé. Donc désolé encore, hein, désolé que ça a bugué. Hein. C'est pas vraiment de ma faute, mais bon, on sait que c'est très bien que c'est sur YouTube et tout, ça bug énormément. Entre guillemets, désolé. Hein, parce que, de toute façon, c'était 23 h, puis il fallait qu'absolument qu'on. Quand je dis il fallait absolument. Moi je commençais à être vraiment 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 fatigué et puis je commençais à avoir faim. Donc on a mangé c'était chinois. Oui ça c'était chinois. Donc très très bon. Voilà, super bon. Je me suis bien régalé, franchement, super super. Ensuite on a regardé. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a regardé. Ah oui, un film avec Arnold Schwarzenegger. C'était un vieux film. C'était. Oh, je sais plus le titre. Ça y est, ça commence. C'est la vieillesse. Enfin, c'est un vieux film, ça se passe au Mexique, machin. Lui, il est, dans ce film-là, il est pompier. Et puis là, il part pour se venger de sa femme et de son fils qui a été tué devant ses yeux. Mais il me semble que je l'avais vu, mais j'en suis pas vraiment sûr. Et du coup, on l'a regardé. C'était le deuxième film. C'est sur la chaîne RTL, RTL 9. Il passe vraiment de bons, bons, bons films. Qu'est-ce qu'il y a, Blaco, encore? Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment. Il n'arrête pas de miauler. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Ouais, comme je disais, c'était un super bon film. On sait bien. Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Tu as un coup de boule? Hein? Tu as un coup de boule? Tu vas pas me dire, t'as encore faim? Je te l'ai donné tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Quoi qu'il y a, le bébé? Quoi qu'il y a, mon bébé, j'ai pas. Quoi qu'il y a, le bébé, j'ai pas. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hein? Tu veux pas? Hein? Petit voyou. Tu vas pas me dire, t'as faim encore? Tu veux miam miam? Pas possible, tu l'as toujours en train de bouffer lui. Arrête de tout manger, Blaco, il va plus rien avoir là. Lui donner un truc comme ça. Tu veux ça? Un truc comme ça, tu veux? T'as pas étonne comme ça? Hein? Là 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 là. Pas vrai ça. Tu vas grossir, tu vas faire plus que ton frère. Alors, je vais lui donner un petit pâté comme ça. J'espère qu'il va aimer. C'est le truc de Viva Cats. Non, c'est pas le truc de Viva Cats, c'est Belle France. Je sais plus si c'est Viva Cats ou c'est l'autre box. Oui, papa va donner. Il fait des coups de tête là. Hein? Tu veux? T'aimes ça? Voilà, c'est bon. Il va lécher, c'est bon. Attends, papa, il va l'écraser. Ou tu veux que je laisse comme ça? Tu veux papa, il laisse comme ça? Ou tu veux papa, il l'écrase? Attends, papa, il va l'écraser un petit peu. Je sais, les chats, ils aiment bien comme ça aussi.
Eh, tu te fous de ma gueule, hein? Je lui mets dans la salle à manger comme ça, il va pouvoir manger tranquillement. Mais ça sent bon, hein, leur truc, mine de rien. Hein. Ça sent super bon. C'est pas des odeurs désagréables. D'ailleurs, t'as des mamies hein, qui mangent ça. Hein. Sérieux, hein? Bah, j'ai entendu dire des grand-mères qu'ils avaient rien à manger et ils mangeaient des trucs pour chiens et pour chats. Tiens, Paco, viens. S'il est gourmand celui-là, c'est incroyable. Faut que je lui apprenne à stopper un petit peu parce que tout le temps, à chaque fois, là, il lui faut presque deux fois le matin, deux fois l'après-midi, c'est trop. C'est trop. Faut que je lui apprenne vraiment à stopper un petit peu ces durées de miam-miam. Là, franchement, à ce rythme-là, laisse tomber, on n'a plus rien. Déjà, là, il reste plus que 4 Félix. Heureusement, j'en ai repris ce matin. J'ai repris un autre paquet. De toute façon, je vais vous faire la vidéo après. J'ai repris aussi pour Maout, pour éviter qu'il mange de trop les Félix. Non, après, eux, ils ont plus rien. Lui, Maout, il s'en fout, mais Maout, Placo, lui, il a besoin de tout ce qui est protéines, machin, et il retrouve tout ce qu'il y a dans le Félix. C'est pour ça que quand il prend du Félix, logiquement, il redemande pas. Il va directement se coucher et puis voilà, il fait ses nuits ou ses journées, tout dépend. Mais quand c'est les autres, il n'a pas assez de calcium, protéines, enfin je sais pas comment on appelle ça. Cécile sera là, vous le direz, mais moi à chaque fois j'oublie. Et du coup, bah, donc là il est en train de manger, là. Ça va lui faire un petit creux. Mais il a déjà mangé deux fois le matin, c'est bon quoi. Une fois à 8h, une fois bah, avant que je parte à 11h. Je sais faire les courses, après je suis revenu. Après je suis reparti vite fait pour aller au marché. J'étais au marché portugais. Cette fois-ci j'ai pu avoir mon bus, c'est bon. Ça a été. Donc c'est pareil, je vais vous faire la petite vidéo du marché portugais. Je dis marché portugal. Marché portugais. J'ai pris pas mal de petits trucs, des trucs frais. Pour ça, je vais pas trop laisser dehors. C'est encore une fois des trucs frais. Et au marché, bah, je me suis pris la tête avec deux dames. Franchement, les gens sont. On dit que les jeunes, ils sont cons, mais franchement, les gens sont les. Les anciens, quand je dis les anciens, voilà, c'est les gens qui ont un certain âge, entre 30 et jusqu'à 70, 80 ans, quoi. Ils se prennent vraiment pour des. On dit que moi, on me traite de bébé, mais j'ai un cerveau de bébé, mais t'en as, ils sont encore pires que moi, quoi. Les meufs, ils étaient carrément allongés sur l'établi, mais carrément comme ça, accoudés, le cul en l'air. Alors moi j'essayais de regarder ce qu'il y avait, même si c'était pas très très intéressant, mais comme j'étais curieux, donc voilà, je regarde, j'essaie de regarder. Puis impossible de regarder, en plus il y avait plein de monde autour. Impossible de regarder. Putain, ça m'a énervé, j'avais commencé à avoir le sang qui bouillait, je commençais à devenir tout rouge. Et puis il y avait le patron qui m'avait vu, je commençais à rougir et tout.
Mais du coup, il lui a dit, il a dû déjà leur dire déjà plusieurs fois, ça a dû rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Et là, il lui a dit, mais excusez-moi, mesdames, mais évitez, vous êtes allés comme ça, si vous êtes fatigué, rentrez chez vous, mais vous êtes allés pas comme ça sur l'établi. Il y a des gens derrière qui aimeraient regarder, à cause de ça, ils peuvent pas, quoi. Mais. Après, les meufs, ils m'ont regardé. J'ai dit, bah oui, le patron, il a raison. Depuis tout à l'heure, j'essaie de regarder. J'arrive pas à regarder. Vous êtes carrément abasis sur l'établi. Je dis, mais vous avez quel âge pour faire ça? Vous n'avez pas 5 ans. Vous aurez au moins 5 ans quand je comprendrai. Mais vous êtes comme des adultes, abasir comme ça, comme des lapins ou je sais pas quoi, mais. En plus, je leur ai dit, en plus, avec le cul en l'air, on a l'impression que vous voulez qu'on vous prenne le cul. C'est bon, quoi. Il y a des limites, quand même. Ah, ça m'a énervé. D'après, les meufs, ils m'ont regardé, ils ont parlé dans leur langue, là, je sais pas quoi, là. Et je lui dis, si vous voulez parler, si vous voulez des choses à me dire, vous parlez en français, vous parlez pas dans votre langue, quoi. Parce que moi, je vous parle français, quoi. Et après, je leur dis, mais ça vous plairait, imaginez que vous m'invitez chez vous, ça vous plairait que moi, j'aille chez vous et je m'aplatis comme ça sur votre table de cuisine ou sur votre table de salle à manger. Ça, à mon avis, ça vous plairait pas. Vous allez me dire, hey, mon gars, je t'invite chez moi. Avec quel droit tu te permets de t'abâcher comme ça sur la table? Mets-toi correctement. Voilà, au marché, c'est pareil. Faut respecter les gens, faut se mettre correctement, pas s'abâcher carrément sur les trucs. N'importe quoi. Du coup, ils sont partis, ils ont tout laissé tomber, ils sont partis. J'ai rien à foutre. Le patron, il a rien dit, hein, il m'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit, au contraire, il m'a donné raison. Il m'a regardé, il a rigolé, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse là? C'est lui, depuis un bon moment, qui leur a dit arrêtez de vous abâcher dessus, puis l'autre, ils font rien, c'est sûr que. Ah ouais, franchement, ça m'a énervé. Je comprends pas de la mentalité des gens comme ça qui. Franchement, des vrais gamins dans leur tête. Il faut être gamin. Mais là, c'est abusé, quoi. En plus, c'est des mères de famille, je sais pas, tu montres l'exemple, quoi. N'importe quoi. Enfin, bref. En tout cas, bon, voilà, j'ai quand même regardé quand même. Mais bon, c'était que pour les femmes. Donc, mais bon, ouais, c'était juste pour avoir la curiosité de regarder qu'est-ce qu'il y avait. Mais bon, il n'y avait rien d'intéressant, machin quoi. Donc voilà, j'ai regardé vite fait, bien fait, et je suis reparti. Je suis parti faire les courses. Donc j'ai fait le fromager. J'ai fait le poissonnier. Mais bon, j'ai rien acheté au poisson parce que normalement je prends toujours des petits poissons. C'est du cabillaud pané. Mais là, ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient plus, tout était parti. Donc du coup, j'étais à un autre poissonnier que je vais de temps en temps. C'est pareil, il n'en avait plus. Donc j'étais dégoûté aussi. Je dis putain, moi qui voulais manger du poisson frais, pané, vraiment malin. Donc voilà. Donc du coup j'ai pas pris de poisson pané. Donc après bah, j'étais à mon fromager, celui que je vais tout le temps chez eux quand je vais à Villiers. Donc j'ai pris des petits trucs, après j'étais à une autre boucherie, normalement ils faisaient des genres de petites boîtes de camembert. Vous savez, c'est fait dans des boîtes de camembert. Et dedans, t'as du reblochon, pommes de terre, t'as du chorizo, enfin t'as un petit truc. C'est genre de petits plats. Ils font même du hachis parmentier maison à l'intérieur. Mais c'est super bon, quoi. C'est super super bon. Et là, par hasard, apparemment, là, il n'y en avait pas. Bon, c'est vrai, le truc, normalement, il a 5-6 euros. C'est un petit peu cher. Mais, franchement, c'est une tuerie de chez tuerie. Donc, je sais pas si vous avez vu, c'est fait dans des boîtes de camembert. Et c'est super bon. Donc, du coup, il n'y en avait pas.
Après, j'étais chez mon boucher halal. Eux, j'y vais tout le temps quand je vais au marché de Villiers. Je vais tout le temps chez eux. Parce que eux, c'est vraiment que du frais, du frais, du frais. La viande est fraîche et tout. Elle est très, très belle. Elle est bien rouge et tout. Même tout ce qui est au niveau. Pas de porc, parce qu'ils font pas de porc. Mais tout ce qui est mouton, agneau, bœuf, veau, tout ça. C'est vraiment de la très, très, très bonne viande. Et de la très, très bonne qualité. Donc du coup bah, j'ai pris quelques petits trucs, donc bien sûr je vais vous les présenter après. Et après j'étais à mon truc de marchand portugais que je vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon il n'y a que lui qui vend que des trucs portugais. Donc j'ai appris qu'en fin de compte les anciens patrons qui étaient là, ils ont revendu à une des employées qui travaillait déjà, donc elle s'est rappelée de moi. Elle me dit, bah alors, vous ne voyez plus et tout. J'ai dit, bah oui, depuis qu'il y a eu le confinement, je ne suis pas revenu. Puis depuis, en plus, il y a eu pendant 2 ou 3 mois, il n'y a pas eu de marché, donc voilà. Et puis du coup, bah moi, je suis pas revenu, quoi. Mais elle m'a dit, je suis de retour. Elle dit, ouais, ça fait plaisir de vous voir et tout, super sympa. Du coup, bah, c'est elle qui a repris le relais des anciens patrons. Parce qu'ils sont repartis au Portugal. Revivre là-bas au Portugal. Et elle m'a dit, on a repris les mêmes produits qu'eux, ils faisaient. Donc elle m'a dit qu'il va peut-être avoir quelques petits changements au niveau des produits. Il y aura des trucs tout nouveaux. Mais ils vont garder les mêmes produits qu'il y avait avant, qui les gens ils sont habitués à prendre et qui est très 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 bon. Donc du coup voilà, j'ai acheté du produit là-bas. Ensuite bah, j'étais faire mon petit tour du marché, tranquille, tranquillou, tranquillou. Et j'ai vu marchand de pulls, celui qui vend des marchands de pulls, genre de polo comme ça aussi. Par contre, au niveau des prix, ils ont bien descendu de 50 € au début que je les ai connus. Maintenant, tout ce qui est pull, polo, maillot, tout ça, ils sont à 15 €. Mais c'est de la qualité. C'est pas de la grande grande marque, mais c'est de la qualité. C'est vraiment des trucs vraiment bien. Et quand j'ai vu 15 € le tout, oh, je dis, mais c'est pas possible. Au début, les trucs, ils étaient à 50 € le bordel, et comment ils ont descendu le truc. Mais comment ils ont des pulls. Oh là 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 là. C'est une tuerie, tuerie, tuerie. Comment ils sont beaux. Oh. Moi, si j'ai encore des sous samedi prochain, je me prendrai un pull. Je me prendrai un pull et un polo. Comment ils sont beaux. Oh. C'est ce genre de pull que j'adore, quoi. C'est un peu aussi le pull bleu que je me mets souvent, je sais, avec un col un peu comme ça, et des petits boutons, style comme ça, large comme ça, les boutons. Je le mets assez souvent, ce pull-là. Bah, d'ailleurs, c'était Cécile qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans, 4 ans en arrière. Vous voyez, il est pas abîmé, il est encore là. Et puis j'adore ce genre de pull avec. Genre de pull avec des lacets là, je kiffe ça, j'adore. Même au niveau des polos, j'adore ça. Donc du coup, bah voilà, si j'ai des sous, bah, je me prendrai un pull et un polo. Ou juste un pull ou un polo, enfin je verrai. Et après, bah, j'étais marchand de parfumerie. Donc, vous savez, c'est le genre de petits parfums qui vendent à 5 € et t'as les 4 ou 5 pour 20 €. Alors, j'ai demandé est-ce que c'était vraiment c'était des vrais parfums, c'était vraiment de la qualité ou c'était des imitations de produits. Parce qu'il y avait tous les produits, hein. Il y avait du Hugo Boss, il y avait du Angel, il y avait du Coco Chanel numéro 5. Il y avait Mademoiselle Coco, il y avait du Jean-Paul Gaultier, du Guerlain, enfin il y avait pratiquement, ah oui, même la petite robe noire, il y avait aussi. Tout ça coûte hyper cher la petite robe noire.
Il y avait vraiment de tout, mais sans petit tube comme ça, qui est assez long comme ça, qui est dans la boîte avec le nom de Garlin et tout. Donc je lui ai posé les questions, parce que moi je lui ai dit que moi j'étais youtubeur et quand j'ai présenté ça, il y avait beaucoup qui m'ont dit que c'était pas du vrai, c'était de l'imitation, c'était pas du vrai parfum à l'intérieur et tout. Mais quand je lui ai dit ça, elle m'a dit mais n'importe quoi, elle m'a dit ça sort directement des usines de parfumerie, c'est vraiment du vrai parfum à l'intérieur. Qui veut dire c'est vraiment du Coco Chanel, c'est vraiment du Jean-Paul Gaultier, et bah ainsi de suite quoi. Elle m'a dit les gens qui vous ont dit ça, c'est du n'importe quoi. Elle m'a dit faut pas écouter ce genre de personnes-là. Parce que voilà, ils sont jaloux de votre business parce que voilà, vous avez pris ça, et voilà, c'est de la jalousie peut-être parce que eux, ils n'ont pas trouvé, et voilà, ils ont trouvé ça pour dire ça, c'est l'imitation. Et m'a certifié comme quoi que c'est pas de l'imitation, c'est vraiment, vraiment, vraiment du vrai parfum. Voilà, à part qu'ils font dans les petits tubes, et puis ils vendent ça voilà, sur les marchés pour peut-être pour gagner un petit peu, pour gagner des petites bières en plus, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ça vient vraiment des usines de parfum, quoi. C'est pas des faux, quoi. C'est vraiment des vrais, 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 vrais. Donc voilà, donc là, elle faisait un pour. C'est un pour 6 euros. Voilà, un pour 6 euros et les 4 pour 20 euros. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc bien sûr, j'en ai pas pris parce que je voulais garder les sous pour moi. Mais je pense que samedi prochain ou le samedi, parce qu'elle m'a dit qu'elle était là tous les samedis, toujours à la même place. Et ça, c'est pas menti. Ça, elle a pas menti parce que c'est vrai que. Quand j'y allais, elle était toujours à la même place. Et d'ailleurs, bah, elle est toujours là. Et ça marche très bien. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui en prennent et tout. Ils sont même très 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 contentes. Et ils en reprennent encore. Et je verrai ça samedi prochain. Enfin, je verrai. Enfin, je redemande à Cécile ou à moi qu'elle vienne avec moi. Parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui est. Lolita Panquita, je sais pas, un truc comme ça, qu'elle aime bien. Coco Chanel 5, elle aime pas. Angèle, elle adore. Le Jean-Paul Gaultier pour femme, elle adore. Le Guerlain aussi pour femme, elle aime bien. Qu'est-ce qu'elle aime bien? La petite robe noire aussi, elle aime bien. Et puis il y a plein d'autres, mais moi je ne me rappelle plus trop les noms. Il y a Dior aussi, il y a certains trucs de Dior qu'elle aime bien. Enfin, comme ça, elle me dira lesquels qu'elle veut, puis au pire. Mais je sais que ça sera Lolita Penpika là, et puis sûrement la petite rose noire qu'elle voudra. Et moi j'ai vu pour moi, je vais me prendre le Hugo Boss. Le Hugo Boss, je pense que c'est le tout premier Hugo Boss qu'il y avait. Et je vais prendre. Bah j'hésite entre Jean-Paul Gaultier ou Angèle. Parce que j'aime bien les trois. Donc je sais pas, c'est un choix très très difficile pour moi parce que c'est des parfums que j'adore, que j'aime bien. Vous avez même le XXL aussi qui est un très 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 bon parfum pour homme. Et elle l'avait. Mais après, bon, je sais pas. Après, voilà, c'est à moi de choisir quoi. J'aurais peut-être un petit peu plus de sous, peut-être je m'en reprendrai peut-être deux ou trois en plus, mais bon, faut, comme on dit, faut éviter d'être un peu trop gourmand. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai mis ma petite casquette de Portugal du restaurant de mon gendre, comme il y a un restaurant portugais. Comme j'ai travaillé plus d'un an chez lui. Donc j'ai le polo qui est là. Ici. Voilà. Polo noir. Il est là. De toute façon, je vais l'enlever parce que ça, j'ai trop chaud. Et j'ai la caquette. Voilà. Ensuite. Bah après, je fais mes petits tours. Hein, tranquille, tranquille. Alors, ensuite, après, bah, j'ai repris mon bus. J'ai attendu quoi, 5-10 minutes, pas plus. À peine, et voilà, je suis donc il n'y a pas très très longtemps que je suis rentré.
Bien sûr, ma vaisselle a été faite, la litière elle a été faite. Il faut que je fasse après-midi, il faut que je fasse absolument, je sais pas si vous voyez là, mes caisses. Faut que je les peigne avec mes bombes. Comme je vous ai dit, hein, j'ai des bombes ils ont été abîmées quand Cécile elle a fait la bêtise de mettre les trucs lourds, les trucs blancs comme ça sur mes bombes et ça a aspergé, ça a tout vidé. Donc ceux qui sont abîmés, qui sont pleins de peinture partout, je vais les finir tout simplement. Comme ça, je vais les peindre, mais je vais me mettre dans le couloir. Je vais les mettre dans le couloir, comme ça évitera qu'il y en ait un petit peu partout ici. Bien sûr, je vais mettre un plastique par terre. Et je vais attendre que ça sèche. Et après, je vais faire mes papiers. Voilà. Ah non, commence pas, Blaco, hein, c'est bon là. Tu fais exprès là. Donc le sapin, on devait le faire là dimanche. Mais comme j'ai dit à Cécile, je dis attends qu'on fasse les crêpes, la chandeleur. Comme c'est bientôt, c'est mardi ou mercredi là, dans la semaine qui arrive là. Donc je dis on fera tranquillement l'autre week-end, soit samedi ou dimanche. Voilà. On va le garder encore une petite semaine et après on va. C'est pour ça que j'ai récupéré les sacs bleus qui sont là. Là, ici, c'est un grand sac bleu de mon travail, il est immense. Et comme ça va dégager. Comme ça, je vais enlever tout ce qui est là-haut aussi, décoration, tout ça. Comme ça, après, je vais mettre tout ça à la cave. Ça sera bien rangé. Et on aura un petit peu plus de place. Merde. On aura un petit peu plus de place dans la salle à manger. Voilà, parce que. Comme la salle à manger, elle n'est pas bien grande, du coup dès qu'on met le sapin, ça rétrécit un peu la pièce, malheureusement, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. La petite table que j'ai récupérée à la poubelle, du coup je vais la garder, parce que ça va me servir pour l'année prochaine. Donc je crois que je vais le laisser dans le salon, je vais le mettre dans un coin où je sais pas. Ensuite, il y a la Viva 4 à faire. C'est Cécile qui va se la taper. Il y a j'allais dire, les produits finis. Oui, les produits finis ou les produits terminés à faire aussi. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir. Je sais, on a encore les facs qu'on n'a pas fini, les facs à faire. Il doit en rester encore deux ou trois à faire. Parce que comme vous avez mis pas mal de questions. Mais il faut que je retourne sur les trucs de questions pour voir si vous en avez remis d'autres. Comme ça, je vais les rajouter. Hein, je vais les rajouter. Donc j'ai fait un trait là où je m'étais arrêté. J'ai fait un grand trait pour que je puisse m'en rappeler. Pour dire voilà, on en est resté là. C'est moi avec ma petite tête de 192 ans. Walou. Et après, ce soir, c'est les restes. Voilà. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo, j'en sais rien. Je pense que c'est les restes. Je vais sortir la flamine quiche. Bon, c'est des trucs tout prêts. T'as juste à mettre ça dans le four à micro-ondes, dans le four. Et voilà, ça chauffe. Une fois c'est déjà cuit et c'est déjà pré-cuit. Hein. Une fois c'est chaud, ouais, voilà, tu la manges. Avec je sais pas quoi, peut-être. Et de la salade. Et de la salade. Et je sais pas qu'est-ce qu'il reste. Bon, moi je suis en plat pour mon travail. Je suis tranquille. J'ai trois plats pour moi. Donc ça fait l'un pour lundi. Non, mais lundi j'ai un plat de mon collègue que sa femme m'a fait. C'est des papes parfumées aux oignons, voilà. C'est des pâtes pimentées avec de la viande. Donc ça, c'est pareil, je vais les manger avant que ça soit plus bon. Donc il me les a ramenés vendredi. Donc voilà, ça fait vendredi, samedi, dimanche. Lundi, ça fera 4 jours, donc c'est bien. Voilà, donc comme ça, j'ai un plat pour lundi. Mardi, j'ai mon restant de flageolets avec les... Je sais plus comment je les ai fait avec la viande. Mercredi,
Mercredi, je sais plus quoi encore. J'ai encore un autre plat mercredi, mais je sais plus trop quoi, qu'est-ce que c'est. On va regarder ça, parce que je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, c'est quoi. Oui, c'est avec le poulet. Donc c'est flageolets avec le poulet, donc c'est un plat. Et l'autre, ah oui, c'est les pommes de terre qu'on a fait à la poêle avec le restant du poulet. Donc je vais voir si c'est bien aussi. Voilà, c'est bon. Voilà, je préfère ressentir parce que voilà. Donc ça, c'est bon. Donc je pourrais le manger, il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est bon, c'est ok. Il est encore bon. Donc voilà, je suis content. Donc je vais augmenter un petit peu le frigo. Comme ça, moi, ça va garder la machin chouette, vidéo chouette à la marche arrière. Donc j'ai deux petites canettes à l'avance. Et pour jeudi, bah, j'ai ma brindade de morue que j'ai repris. Vous l'aviez vu sur une des vidéos. Elle est super, super bonne. Et pour vendredi, bah, je sais pas si je suis encore en demi-journée. Je sais pas si je suis en demi-journée le vendredi. On verra bien, à moins que j'ai une journée dans la semaine. Wali walou. Bon, comme je vous dis, hein, j'ai fait ma vaisselle. Ensuite, j'ai fait un tri. Et venir avec moi. Voilà, désolé. Voilà, vous m'avez vu, vous me voyez plus, vous m'avez vu. Donc, j'ai fait un tri dans mes assiettes, j'en avais marre. Voilà, j'en ai vraiment ras le cul. Donc, là, comme j'avais plusieurs couleurs, j'avais deux, trois bleus, j'avais deux verts, j'avais deux marrons comme ça. Voilà, deux styles marrons comme ça, c'est un peu, même pas marron, c'est un peu orangé. Donc c'est pareil, j'ai fait le tri, je les ai virés, parce que j'en avais marre. Avoir deux, avoir trois assiettes pareil, ça sert à rien. Et comme ça m'a diminué au niveau des assiettes, comme ça je suis tranquille. De toute façon, après, je pense que ça va dégager ceux-là, ces assiettes-là. Ils commencent à me sortir un petit peu les yeux. Et je vais prendre ceux que Secret Nana l'a montré, les nouvelles petites assiettes. Tout bleu là avec les décors qui sont assez sympas d'ailleurs. J'ai pas dit, j'ai fait un craquement dessus, mais ils sont sympas, ils sont simples, ils sont bien et tout. Et j'ai envie de changer un petit peu les marrons qui sont là, c'est pareil, je vais les dégager, j'en ai marre, ça fait des années qu'on les a, c'est des assiettes que j'ai acheté à Ikea, mais ils sont pas abîmés rien du tout hein, mais j'en ai marre, j'en vais. Ça va dégager. Au pire, je sais même pas si je vais les garder. Si, je vais garder quand même deux assiettes creuses. Parce que quand on sert des autres assiettes creuses qui sont de chez Ikea aussi, si peu qui sont au ça où j'ai mis un truc dedans, comme Cécile en ce moment elle aime bien manger dans les assiettes creuses, bah, je vais en garder deux. Et puis derrière, de toute façon, dans les autres assiettes à action, c'est pareil, de la même gamme. Ils font les assiettes creuses aussi. Donc voilà. Donc dans les petites assiettes qui sont là et qui sont là, tous ceux-là, là, ben, ça, je jette pas parce que c'est des assiettes pour Blacko et Maout. Normalement, c'est nos assiettes à nous pour manger les desserts. Mais comme on est plus yaourt que d'autres desserts quoi, bah, de temps en temps qu'on mange un petit gâteau quoi, mais sinon au pire on le mange dans la boîte, on s'en fout quoi. Sinon ceux-là bah, je vais les garder pour les chats. Les autres assiettes, ceux-là, ça c'est des assiettes que j'avais récupérées à la poubelle, c'est des belles assiettes à fleurs et tout, mais ceux-là je vais pas les jeter, je les garde pour bah, pour nous, pour quand il y a Noël, jour de l'an, comme ça fait une belle petite table, bah, comme j'ai fait la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait le tri encore? Ah oui, dans les verres, je me sens. Attends, je crois pas, non. Non, dans les verres, c'est toujours pareil.
Donc j'ai nettoyé là, j'ai nettoyé, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Parce que la plupart du temps, on a du mal à essuyer les verres. Vous savez, ça fait des genres de auréoles, je crois que c'est ça comme ça se dit, des auréoles. Sur les trucs, et bah, ça fait moche, quoi. Enfin, sur le blanc, on n'en voit pas trop, mais ça sera noir, on verrait bien. Donc du coup, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Au niveau des assiettes, c'est pareil, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Mais il faudrait que je fasse une vidéo de ménage, comme ça, de nettoyage. Comme il y a beaucoup de youtubeuses qui le font. Bon, au lieu que ça soit une femme, bah, ça sera moi, voilà, ça sera un homme. Par contre, au niveau de mes tasses, vous avez eu le vide. Et oui, j'ai fait un tri énorme dans mes tasses. J'en avais un petit peu marre. Donc j'ai gardé vraiment celle qui me plaisait le plus, quoi. Donc il y en a du marché, enfin de la brocante, il y a beaucoup de tasses de chez Action. Voilà. La plupart des tasses, c'est que tout ça, c'est que des tasses de chez Action. À part ça, là, c'est la brocante. Ça, là, c'est une tasse de chez Noz que j'ai eue il y a très très longtemps. Ça, c'est pareil, c'est Action. Et les deux, là, c'est deux tasses que j'avais récupérées à la poubelle aussi, que j'avais nettoyées à l'eau de Javel. Je voulais les jeter, puis du coup, bah, j'ai eu un petit craquement, un petit coup de cœur dessus, et je les ai gardés pour moi. Donc, vous voyez, normalement, c'était tout plein, hein, tout était plein. Hein. Donc j'ai tout enlevé. Donc après ici, le truc là, je vais peut-être le laisser pour jusqu'à l'année prochaine. Je sais pas. Je trouve que ça fait bien. À moins que je trouve un autre truc, un autre style comme ça, qui peut se coller dessus. Soit style un peu, je sais pas, soit des papillons, ou des oiseaux, ou des oies, j'allais dire des oies, des chats. Mais faut que ce soit des trucs autocollants comme ça qui se collent, qui puissent se coller dessus. Sinon moi j'aime bien ça. Voilà, ça choque pas, quoi. Comme ça, le truc, c'est pas un truc tout nu, tu vois. C'est décoré. Mais c'est vrai, quand tu vois Noël, quand tu arrives au mois de juillet, août, tu vois encore les trucs de Noël, c'est vrai que bon, ça fait un peu bizarroïde. Mais comme je suis déjà bizarroïde, donc voilà. Donc ensuite, bah voilà pour ça, j'ai fait. Ah oui, là-dedans c'est pareil, dans autre truc, bon ça j'ai pas encore nettoyé, faut que je nettoie. J'ai oublié de nettoyer. Enfin j'ai oublié, non, c'est pas que j'ai oublié. C'est que bah il faut que je le fasse cet après-midi. Ou samedi prochain. Vous voyez, à la porte, il y a toujours un peu de poussière qui rentre. Mais c'est pareil, ça là-dedans, c'est pareil, j'ai fait un tri. Voilà. Il y a plein de trucs que j'ai enlevés, des casseroles qui me servaient à rien, des ustensiles qui me servaient à rien. Voilà, j'ai tout mis à la poubelle. J'ai tout dégagé. J'ai rien cassé par contre. J'ai tout laissé comme ça, j'ai mis ça dans un sac. Et après, les gens, s'ils veulent le prendre, bah, ils le prendront. Mais j'ai strictement rien cassé du tout. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à tout casser pour éviter que d'autres personnes les récupèrent. Mais moi je les ai laissés tels quels. Donc voilà. Voilà. Puis bah, voilà, comme je l'ai dit. Hein. Cet après-midi, bah, les caisses. Après. Ah oui, j'ai mes cartes postales de vous, mes abonnés qui m'ont envoyé. Faut que je les mette. Dans mon album spécial carte abonnée. Donc je vous ferai une petite vidéo pour ça aussi, comme ça sera sur la chaîne de l'univers painting et création, ainsi que ça là, les cagettes, ça sera sur l'univers painting et création. Ça sera mis dessus. Donc ça fera deux petites vidéos sympas. Et par contre le truc de rangement papier et tout, bah, ça sera sur les Bretons. Voilà. Puis bah je crois que c'est tout. Hein. Ça sera déjà une bonne petite après-midi. Hein. C'est déjà 15 h. Voilà, c'est phénoménal comment ça se passe. Ça passe vraiment, 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 vraiment. Il y a combien? Ah, 39 minutes. Ah, ça va.
C'est la première fois que j'ai réussi à faire un petit vlog de presque de 40, attention, voilà, 40 minutes. Voilà, je suis content. Bah oui, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Sinon, bah voilà. Comme je veux dire, je vais aller réveiller la miss. Puis après, elle va gueuler, elle va dire ouais, j'ai trop dormi, nan, 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 nan. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein, les enfants. Pareil, dans les gâteaux, machin, j'ai fait un tri. Les bonbons, des petits cœurs, bah, je les ai jetés parce que du coup, Cécile, elle aime pas. Donc, puis moi, comme je suis pas très très bonbon, j'aime bien juste un bonbon de temps en temps, mais voilà, je suis plus du tout bonbon. Donc, je les ai jetés. Voilà. Dans les gâteaux, tout ça, bah voilà, j'ai fait le tri. Bon, bah, je crois que je suis arrivé au. Je suis arrivé au tour. Hein. Donc, bien sûr, aussi, comme je vous ai dit, il faut que je fasse aussi mes petites recettes. Il faut que je recherche sur internet les petites recettes que j'ai vues. Enfin, je les marque sur mon cahier, comme ça, moi, ça ne sera pas perdu. Ça m'évitera d'aller encore rechercher sur internet et tout ça. Comme j'ai acheté un cahier spécial pour ça. Et bah après je prends. Oh non, Blanco, arrête! Et après, bah, je pense que c'est bon. Bah, ça sera bon pour aujourd'hui. Donc bah, voilà, donc je vais vous laisser. Bien sûr, hein, je suis toujours encore avec mon café. Hein, ça fera. Ça fait le quatrième ou cinquième que je bois. Donc ça va, c'est de la chicorée, hein. C'est pas ça qui va m'exciter. Hein. Donc bah voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, le cerveau, il veut plus rien dire. Il a fait un stop, le cerveau. Oui, comme je vous dis que je commence après, j'arrive. Ça, j'arrive pas à faire des vlogs hyper très très longs. Parce que après, au bout d'un moment, je sais plus quoi dire. Donc bah, je pense qu'on va en rester là parce que je sais plus quoi dire. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit, vous aimerez ce petit vlog. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche, de vous abonner aussi. De vous abonner sur la chaîne de Queen Cécile en majuscule et sur ma deuxième chaîne de l'univers Painting et Création. Voilà. Et je vous dis bah, à très très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de vlog. Et je vous fais de gros gros bisous. Et à une prochaine. Allez, ciao les loulous. On vous aime. Bisous, bisous, bisous.